Invité. Mais bon, la liste de Tara, c'est pas MC Lunar au stade de France. Tu comprends pas, Max. Tara, j'y pense tout le temps. Quand je me réveille, pendant les cours, avant de m'endormir. Tu peux pas imaginer. Bah si, moi c'est pareil avec le classique. Oh, le rire de Tara. Tu l'as déjà bien écouté. Oh, son rire, ça fait comme un petit ruisseau. Oh, et ses yeux, t'as déjà... Léon? Léon? Tu me reçois? Bah, tu vois qu'elle a pensé à toi. Hello Ricardo, j'adore ton t-shirt. Tiens, c'est pour mon anniv samedi, tu seras là. Vraiment, elle y comprend rien, Tara. Ricardo, il a que du muscle, rien dans la tête. Léon, faut vraiment que j'y aille là. Bon, on se voit tout à l'heure à la répète, hein. Allez, ça va te faire du bien. Elle m'a même pas vue. Bravo. Maintenant que tu sais jouer la lettre à Élise de Beethoven, je vais te montrer comment tu peux l'arranger différemment. L'arranger? L'arranger comme ranger sa chambre? Parce que pour ça, ma mère dit que je suis pas un champion. Non, Max. Je vais te montrer ce qu'est un arrangement. Lorsque ce cher Beethoven a écrit sa lettre à Élise, il l'a imaginée comme ceci. Mais ça peut être aussi cela. Ou bien comme ça. Oh, oh. C'est drôle, c'est trois fois le même air, mais ça fait pas pareil. La première fois, c'est tout joyeux, après c'est rigolo, et ensuite c'est romantique. C'est ça, Max. Quand tu arranges un morceau avec le même air, tu peux obtenir plein de résultats différents. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Mais à condition de ne pas faire n'importe quoi, bien sûr. C'est John, le photographe de Classico, un magazine spécialisé. Il est ici pour quelques jours. John, je vous présente Max. Max, la leçon est finie. Est-ce que tout est clair pour toi? Oui, maestro, c'est facile. Parfait. Trouver un autre arrangement à ce magnifique morceau ne devrait pas te poser de problème, alors. Yo, les ninjas, ça va? Ton rire, c'est une bombe. Sous ton regard, je succombe. C'est trop tard pour moi. J'ai plus de flow, plus que pour toi. Mais c'est quoi ces paroles, Léon? Ton stylo est tombé dans un pot de miel ou quoi? De toute façon, ça sert à rien. Elle s'en fout. Bah, qu'est-ce qu'il a? Bah, il est amoureux de Tara et elle l'a pas invité à son anif samedi. Ah, trop snob, cette Tara. Cela dit, avec une fashionista pareille, il n'a aucune chance d'être invité, Léon. Et si on arrangeait Léon différemment? Ouais. Peut-être qu'avec un autre look, il lui plairait à Tara. Yes, relooker Léon. Je sens qu'on va se marrer. Bon alors, chacun trouve des fringues. Et rendez-vous ce soir chez moi. Ouais. Un peu sombre, non? Je peux pas porter ça, on dirait un vampire. Ok, on change. Non, trop intello. Fashion.
Je sais quel look va tout déchirer. Ça y est, Tara et ses copines arrivent. Léon, faut y aller. Vous êtes sûr? Je le sens pas trop là, puis je suis vraiment trop serrée dans ces chaussures. T'inquiète, t'as la classe planétaire. Allez Léon, vas-y. Il va bientôt croiser Tara. Impact dans 5 secondes, 4, 3... Oh mince, 2... son lacet s'est défait. Hé Léon, t'essaies d'apprendre à voler. Trop classe ton costume, tu vas au mariage de ta grand-mère. Léon, tu m'ouvres. Je te fais les super cookies que t'adores. Si tu veux, on va faire du skate. Je te prête le mien, j'ai des roues toutes neuves. Allez, ouvre. Léon, je suis vraiment désolée. Elle était pourrie, mon idée de vouloir changer ton look. Méga pourrie. Avant, Tara, elle me voyait pas. Grâce à vous, elle m'a vu me prendre la honte devant tout le monde. Laissez-moi, je veux plus voir personne. Pour moi, changer le look de Léon, c'était comme changer l'arrangement de la musique. Mais ça n'a pas marché. Mais alors, pas du tout. Et maintenant, Léon a le cœur en mille morceaux. Il veut plus voir personne. Ah, l'amour. Max, Max, Max. Faire un arrangement, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Viens avec moi. Barenboim, ça pique trop les oreilles. Oh, et puis les yeux aussi. C'est vrai, Max. Parce qu'en jouant comme ça, je ne respecte pas la mélodie. Avec ton ami Léon, c'est pareil. Si tu veux l'aider, tu dois respecter sa personnalité. Pour arranger la musique, je crois que cette fois, j'ai compris. Mais pour Léon, je sais vraiment pas quoi faire. Un grand musicien n'abandonne jamais, Max. Cherche et tu trouveras le bon arrangement pour ton ami Léon. Et aussi pour la lettre à Élise. Super! Ça va, mon Max? Tiens, mon chéri, tu n'as presque rien mangé ce soir. Tu as des soucis? Pourquoi il t'a plu, papa, quand tu l'as rencontré? Il était arrangé comment? Eh bien, c'est vrai que je le trouvais beau et j'adorais son style, mais c'est pas pour ça que je l'ai aimé. C'est quand j'ai vu que sous son look de gros rappeur aux airs de frimeur, Didier était généreux et attentionné. Quand j'ai vu qui il était vraiment à l'intérieur, alors là, j'ai craqué. Allez, mon petit champion, tu te couches bientôt, d'accord? Mais bien sûr! Papa! Qu'est-ce que... Ça va, Max? Oui, super! Papa, on va avoir besoin de toi! On s'est trompé en voulant transformer Léon en quelqu'un d'autre. Ce qui va le mieux à Léon, c'est d'être Léon, justement! Bah, ouais! C'est vrai, quoi! Léon, il a peut-être pas toujours le bon look, mais il est gentil, généreux et il écrit super bien! Si Tara découvre qui il est vraiment... C'est sûr, elle va craquer. Tu veux dire arranger Léon en super Léon sans aller contre sa nature? Ouais, bah faudrait déjà qu'il sorte de sa chambre. Mais c'est là qu'on passe à l'action. On a déjà les paroles, il n'y a plus qu'à faire tout le reste. J'ai une super idée de musique et mon père peut nous aider. Tu veux dire... Une chanson? La chanson pour Tara. J'ai dit mais arrête de stresser comme ça, tu vas éclater. Faut y aller, sinon c'est le prof de SVT qui va stresser. J'ai plus de flow, plus que toi. Tara, avec un T comme tempête, je pense qu'à toi. Ok, ma carrière, c'est nickel. Alors, le battement de cœur pour la rythmique. Ensuite, la musique. Maintenant, on pose la voix de Bach. Flow, le toi. Rire de Miss Tara. Et on envoie la chanson pour Tara. J'ai plus de flow, plus que toi. Tara, avec un T comme tempête, je pense qu'à toi. Allez, les ninjas, c'est à vous de jouer. Merci, merci Didier. Merci, papa. Oh. Oh.
Arranger la musique, c'était facile à comprendre, mais pour arranger Léon, j'avais tout faux. Cette fois, j'ai compris. Si je veux arranger un morceau ou mon ami, je respecte ce qu'il est. Respect pour la mélodie, respect pour Léon. Waouh, maestro! Mais c'est nous! Oui, Max. Et peut-être qu'un jour, ce sera toi tout seul et en pleine lumière. Mais dis-moi, comment va ce cher Léon? Super bien. Et samedi, c'était le roi du monde. Un chewing-gum sur la chaise du prof de maths. Pas cap, pas cap. Je suis cap. Ouais, c'est ça. Cap de finir ton assiette d'épinards à la cantine. Ah, pas cap. Alors, bac cap ou pas cap? Qu'est-ce qui t'arrive? Bac. Eh oh, bac. Bac est encore bloqué sur Sophia, la nouvelle. Quoi? Elle est canon. Et puis, elle a l'air cool. Vous l'avez vu au cours de musique? Elle connaît tout mieux que la prof. Je suis sûr qu'elle kiffe le rap. Cap d'aller lui parler? Bien sûr que je suis cap. J'ai une technique qui marche à tous les coups. La règle des 3 C. Confiance, classe et coolitude. C'est même pas un vrai mot, ça. Allez, Bac, montre-nous ce que tu sais faire. Moi aussi, je veux voir ça. Mais là, j'ai un rendez-vous super important chez le dentiste. Il faut que je file. Ok, on fait ça plus tard. Et on verra bien qui avait raison. Pauvre Max, il va toujours chez le dentiste. Il doit avoir un paquet de caries. Sophia, qu'est-ce que tu fais ici? D'ailleurs, moi aussi, comment je suis arrivée là? Je sais pas, j'ai dû me perdre. Allez, salut! Ah, voilà mes deux petits prodiges. Elle, un prodige? Max, j'imagine que tu as déjà rencontré Sophia, qui est dans la même école que toi. C'est une apprentie violoncelliste très prometteuse. Elle voyage pour suivre les cours des plus grands musiciens. Et elle me fait l'honneur de jouer en concert dans mon auditorium. L'honneur est pour moi, monsieur Barenboim. Waouh! Vous allez jouer ensemble? En effet, j'avais prévu d'interpréter avec Sophia la magnifique sonate Arpeggion de Schubert. Mais je viens d'avoir une bien meilleure idée. C'est toi, Max, qui accompagnera Sophia au piano. Moi? Vous voulez dire? Moi? Vous êtes sûr, maestro? Max est un élève remarquable, il va t'impressionner. Pas vrai, Max? Voici la partition de Schubert. Je compte sur toi pour la travailler. Ma chère, allons répéter. Votre violoncelle vous attend. T'as intérêt d'assurer parce que j'ai pas l'intention de rater mon concert devant le maestro. Et tu vas jouer avec elle devant le maestro? C'est classe quand même. Ouais, enfin, le maestro a surtout dit que j'allais l'impressionner, mais je sais vraiment pas comment je vais faire. Elle joue avec les plus grands musiciens. Ici, Aigle du désert. Rendez-vous immédiatement au parc. Ok, terminé. Oh non, j'avais oublié que Bac allait parler à Sophia. Et si elle lui dit qu'elle m'a vu chez Monsieur Barenboim? Et si elle lui dit que je joue de la musique classique?
Oh là là, je suis foutue. Il suffit de tout expliquer à Sophia et elle ne dira rien. Je peux pas lui dire de quel musicien j'aurai l'air si j'assume même pas de jouer du classique. Alors il faut empêcher Bach de parler à Sophia. Exactement. Et pour ça, j'ai déjà ma petite idée. Ton experte en musique, c'est une violoncelliste. Spécialité musique classique. Trop la loose. C'est bien le violoncelle, c'est pas courant. Hein? Du violoncelle? De la musique pour vieux? T'es bien sûr de réaliser là? Oh! Un oiseau! Il est mignon! C'est officiel, Bach est amoureux! Bach, elle change de ville et d'école tout le temps. Tu la reverras pas, elle repart dans quelques jours. Hirondelle en vue! Je répète, hirondelle en vue! À 10h! Et maintenant, place à l'artiste! T'inquiète, Sophia, je suis le roi du skate freestyle! C'est censé m'impressionner. Attends, t'as encore rien vu? Les choses sérieuses commencent maintenant! Un vrai tombeur, ce Bakary. Voilà où ça mène, sa technique bidon. Maintenant, il n'a plus aucune chance. Mais non, regarde, Sophia revient vers lui. Elle l'aide juste à se relever par simple politesse. Si tu le dis. Ici Aigle du désert, mission accomplie. J'ai rendez-vous avec l'hirondelle. Bach le lover, master bourreau des cœurs. Il n'y a que trois mots à retenir. Confiance, classe et coolitude. Nya nya nya. Confiance, classe et coolitude. Tu vas quand même pas t'y mettre toi aussi. Pourquoi pas, si ça a marché avec Bach, il n'y a aucune raison que ça marche pas avec moi. Allez, en place les enfants. Mais où est passé Max? Allez Max, on va leur en mettre plein la vue. Max, c'était quoi ce petit numéro? Dois-je te rappeler que nous sommes des concertistes, pas des clowns? Désolé, je voulais juste vous impressionner. Ce n'est pas en faisant le pitre qu'on impressionne. N'oublie pas que la véritable vedette, c'est la musique. Le rôle du concertiste, c'est de l'interpréter avec honnêteté, avec sa propre personnalité. Et ce que je viens de voir, ce n'était pas mon Max. Sophia, ça t'embêterait de pas parler de notre concert pendant ton rendez-vous avec Bakary? De quoi tu parles? J'ai pas rendez-vous avec Bakary. Je veux dire, il est vraiment mignon, c'est vrai, mais le genre gros prétentieux qui en fait des caisses, c'est pas trop mon style. Tu veux dire que s'il en faisait moins, tu lui aurais dit oui? Possible. Pourquoi tu veux pas lui parler du concert? Oh, c'est parce que je lui prépare une surprise pour son anniversaire. Tu as peur de passer pour un crétin parce que tu joues de la musique classique, c'est ça? Dans le quartier, aimer la musique classique, c'est louche. Si tu veux que tout le monde te regarde de travers, y a pas mieux. Je comprends, tu sais. Moi aussi, j'ai longtemps caché ça à mes amis et puis un jour, j'ai su que c'était le moment de leur avouer. Et tu verras, le jour où tu pourras tout dire à Bakary, tu te sentiras beaucoup plus léger. Allez, salut! Qu'est-ce que tu pourras me dire un jour? Que tu dragues Sophia dans mon dos? Mais non, pas du tout! C'est que... Oh non! Tiens, tiens, une partition de musique classique. On dirait que tu caches bien ton jeu. Écoute, Bach, j'ai jamais su comment te le dire, mais... Tu fais semblant d'aimer la musique classique pour que Sophia s'intéresse à toi? C'est ça ta méthode de drague? Mais non, je te jure que non. C'est pour ça que tu voulais pas que j'aille lui parler. Regarde, elle fait de la musique pour vieux, elle est pas faite pour toi. Sale menteur! Moi, un menteur? C'est pas moi qui ai dit à mes amis que j'avais rendez-vous avec Sophia alors que c'est même pas vrai. Ok, j'ai inventé mon rendez-vous avec Sophia, j'avais trop honte. Mais de toute façon, c'est pas important, Sophia m'intéresse plus. Et toi non plus. C'est Bach, laissez un message. Bach, c'est encore moi. On est tous au local, on t'attend pour la répète. Rappelle-nous dès que tu peux. C'est le 36e message que tu lui laisses, il rappellera pas. Oh, tout ça, c'est de ta faute, Max. Tu savais que Bach avait flashé sur Sophia et tu l'as quand même draguée. Mais c'est pas vrai, elle m'a dit qu'elle trouvait Bach super mignon. Si seulement il était moins fanfaron et qu'il l'avait abordé simplement, il aurait vraiment eu son rendez-vous. Et maintenant, fier comme il est, il osera jamais lui dire ce qu'il ressent vraiment. C'était vraiment très bien. Mais Max, je sens encore une légère crispation dans ton jeu. Comme si tu n'étais pas totalement à l'aise. C'est dur d'être à l'aise quand on joue avec une musicienne comme Sophia. Ferme les yeux
Et imagine que tu es seul dans ta chambre. Personne ne peut t'entendre. Tu es complètement détendu. S'imaginer seul pour être complètement soi-même. Ça marche à tous les coups. Oh, je connais quelqu'un avec qui ça pourrait aussi marcher. C'est Pac, laissez un message. Salut Pac, c'est Sophia. J'aimerais te parler, rejoins-moi au parc à 6h. Je t'attends au kiosque à musique. Laissez un message après les bips. Salut Sophia, c'est Max. Est-ce qu'on pourrait se retrouver au kiosque du parc vers 6h? C'est au sujet de mon copain Bakary. Oh. Il n'y a plus qu'à espérer que le plan fonctionne. Oiseau à l'approche! Tous en position! Bac? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, c'est quoi ce plan? D'abord tu me trahis et maintenant tu cherches à m'humilier? Bac, t'es mon meilleur pote. Jamais je te ferai un truc pareil si Sophia ne t'a pas donné rendez-vous. C'est parce qu'elle t'a pris pour un gros prétentieux. Et c'est normal, c'est exactement ce que tu lui as montré. Mais moi, je te connais par cœur. Je sais bien que derrière ta carapace de crâneur, il y a un gros sentimental un peu maladroit. Et puis, il n'y a qu'à te regarder quand Sophia passe à côté de toi. Ah ouais? Bah puisque t'es si malin, explique-moi comment dire à Sophia qu'elle me plaît. Comment lui dire que je fonds comme un esquimau au soleil dès qu'elle regarde vers moi? Comment lui dire que mon cœur fait un backside 360 dès qu'elle me décroche un sourire? Tu peux juste le dire comme ça. Salut Sophia, qu'est-ce que tu fais là? C'est Max qui m'a demandé de venir, il m'a dit que je m'étais trompée à ton sujet. Ah bon, il a dit ça? T'as dit ça à Max? Oui, c'est vrai que je t'aime bien, mais je savais pas trop comment te le dire. Moi aussi je t'aime bien, et je sais exactement comment te le dire. Non! Les tourtereaux sont dans la cage! Je répète, les tourtereaux sont dans la cage! Me voilà, j'arrive. Je disais au revoir à Bakary. Pour moi, c'est déjà l'heure de repartir. Oh, ne sois pas triste. Tu reviendras nous voir. Et puis, en attendant, vous pourrez vous écrire. C'est l'heure. Vous êtes prêts? Installe-toi, je vais juste au coin de la rue déposer tout ça aux encombrants. Waouh, stylé la coiffure, maestro. C'est pour Halloween? Oh non, j'ai passé la matinée à faire des allers-retours entre le grenier et le coin de la rue. Ce n'est pas Halloween qui approche, Max, mais le début de la semaine internationale de la musique classique. Et d'ailleurs, tu vas participer à cette grande semaine en jouant un quatuor avec... Un quoi, quoi? Un quatuor. C'est un morceau de musique joué par quatre musiciens. Toi, Rogia, qui vit au Sénégal,
Darshan en Inde et Naoko au Japon. Waouh, je vais aller dans tous ces pays pendant votre semaine du classique. Non, ce sont eux qui vont venir, parce que cette année, la semaine internationale se passe ici. Je range un peu là-haut pour qu'ils puissent s'installer. Mais pour l'instant, vous allez travailler par vidéoconférence. Première répétition en fin d'après-midi. Commence à déchiffrer la partition. J'ai encore 2-3 vieilleries à descendre du grenier. Oh. Je vais au ciné, moi, cet après-midi. Je pourrais pas beaucoup travailler. Si on est 4 à jouer, on m'entendra pas trop. Quatuor pour piano et cordes numéro 1 en sol mineur, opus 25. De Brahms, merveilleux compositeur allemand du 19e siècle. Je reviens tout de suite. Ils sont trop balèzes, les cosmiques détectives. Encore une enquête de folie. Grave, comme tous les films de cosmiques, d'ailleurs. Quand même, à la fin, j'ai presque deviné la solution. Moi aussi. Allez, Ralph, ferme la tête. Oh, c'est pas vrai. Baby, attaque. Attaque, Baby, attaque. Sérieux, Basile. Basile, avec un chien, en plus. Vaut mieux partir avant qu'il nous embête. Hé, hey, regardez, c'est quoi, là? Waouh! Un cadeau de la poule aux œufs d'or! Ma grand-mère, elle a des trucs comme ça sur sa cheminée. Elle y tient drôlement. Voilà, là, elle doit criser, la mamie qui a perdu son œuf. Faut la porter à la police, ils retrouveront la proprio. Attendez, j'ai une autre idée. Et si nous, on l'a cherché, la mamie à qui il est? Une petite enquête comme les cosmiques détectives. La répétition. Désolé. Bonjour, fallait commencer sans moi. Impossible, Max. Un quatuor, ça se joue à 4, pas à 3. Bon, allez, on commence. Qu'est-ce qui se passe, Max? J'ai pas eu le temps. Et puis, je croyais qu'on ferait tous la même chose. Et qu'on ne t'entendrait pas. Mais non, Max. Dans un quatuor, chaque instrument a sa propre partie, différente des autres. Désolé, maestro. Je vous promets de travailler à fond pour la prochaine répète. Next time, good. Me, good. Bon, je compte sur toi. Pas trouvé la mamie. C'est vraiment pas une super piste en fait. Et moi je dois vous lâcher. Faut que je bosse à fond sur mon quatuor. J'ai été trop nul. Nul? Comment ça? Nul comme détective. Les cosmiques seraient morts de rire s'ils nous voyaient. On n'a même pas encore examiné la scène du crime. T'as raison, Max. Il y a peut-être des indices là où on a trouvé l'œuf. Ouais, faut aller regarder. Mais moi je dois aider mon père à repeindre la cuisine. À tout. Allez, venez, on va trouver des indices. Place au détective Galactique Ninja. Oh, j'ai trouvé les empreintes de la mamie. Elle a un chien, regardez ses traces de pattes. Vu la taille des traces, c'est une mamie, Yeti. T'as raison, c'est pas à une mamie qu'il appartient, l'œuf. À qui il serait alors? Au chien? Mais bien sûr. Max, tu peux venir 2 secondes? Je pense qu'on a trouvé quelque chose. C'est pas elle non plus. T'es sûr que c'est une bonne idée? Qui nous dit qu'ils passeront par là, les propriétaires des empreintes? On n'a pas le choix. Il faut bien essayer quelque chose. Et avec un peu de chance... Basile? Non, je le crois pas. Mais peut-être que l'œuf, il l'a volé. Non, ça tient pas. Si
Sinon, pourquoi il l'aurait laissé par terre? Eh, mais peut-être qu'il a perdu l'œuf qu'il a volé. Si ça se trouve, il y en a plein d'autres des œufs en or dans sa valise. C'est pour ça qu'il s'est pas rendu compte qu'il en avait perdu, hein. Plein d'œufs en or dans sa valoche toute pourrie qui a au moins 10 000 ans? Non mais Max, tu délires! Mais non, justement, comme ça, personne peut s'imaginer qu'il y a un trésor dedans. Mais si, allez, on le suit. On va la mettre à la poubelle, puisque tu veux pas t'entraîner avec. Tu crois toujours qu'il y a quelque chose dedans? On va la récupérer pour voir. Oh, on te l'avait dit que c'était juste une vieille valoche. Mais ouais, t'as jamais voulu nous écouter. Oh, c'est vraiment trop dur comme enquête. Demain, j'apporte l'œuf à la police. Dommage, moi j'y étais presque dans la peau des cosmiques quand on suivait Basile. Ouais, mais on n'est pas tout à fait à la hauteur. Trop fort, Max. On n'entend que toi. Tu ne fais pas assez attention à tes partenaires. Bon, on reprendra demain. Bye. Bye. Pourtant, là, j'avais travaillé. Je suis vraiment pas fait pour jouer à un quatuor, on dirait. Viens, tu as encore une minute. Je vais te montrer quelque chose qui va peut-être t'aider à comprendre. Regarde ça, Max. Je l'ai retrouvé en rangeant mon grenier. Eh bien, un quatuor, c'est une sorte de puzzle à quatre pièces. Une, deux, trois, quatre. Et c'est en les reliant les unes aux autres qu'on arrive au résultat. Alors que moi, je pensais seulement à ma pièce. Exactement. Tu n'écoutais pas assez les autres. Or, tous les instruments sont importants dans un quatuor. Mais si, une enquête, c'est comme un puzzle. On doit emboîter tous les indices pour trouver la solution. Je vous ai pas assez écouté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice? Un œuf en or. Basile et son chien sont passés par la pelouse où on l'a trouvé. Basile entraînait son chien à attaquer avec la valise. Peut-être que l'œuf était dedans et en est tombé. Donc il faut savoir à qui est cette valise. Où est-ce qu'il a pu la trouver? Vu son état, dans une poubelle? Ou un grenier? Ou aux encombrants au coin de la rue du manoir? Ah, oui! Quelqu'un a peut-être mis cette vieille valise aux encombrants en oubliant l'œuf dedans. Un double fond. L'œuf était peut-être rangé là-dedans. Bingo. Elle sert à quoi, cette petite clé? Il y a des initiales gravées. DB. Wouhou! On a les initiales du proprio. DB. Je crois que ce sont celles de l'habitant du manoir. Je les ai vues une fois sur sa boîte aux lettres. Alors l'œuf, il est au bizarre. Oh, moi je mets pas les pieds chez lui. On a qu'à mettre l'œuf dans sa boîte aux lettres. Non, c'est trop précieux. Allez Max, on y va tous les deux. Vous nous attendez dehors, on sait jamais. Monsieur Barenboim, votre prénom c'est bien Daniel. Et donc vos initiales sont bien DB. Oui. Hier, vous avez mis une vieille valise aux encombrants. Et un garçon avec un chien l'a prise. Oui, je l'ai vu partir avec. Mais comment vous savez tout ça? On a fait une enquête et voilà ce qu'il y avait dans la valise que vous avez jetée. Oh, merveilleux, je pensais l'avoir perdue. Merci les enfants. C'est le cadeau d'un orchestre que j'ai dirigé il y a longtemps. Vous êtes formidables. Vous en avez mis du temps. On allait appeler la police. Pas la peine. Il a compris qu'on était des vrais détectives. Le quatuor des Galactic Ninja a réussi sa première enquête. Yeah!
Maman, viens voir. Papa et moi, on installe une déco géniale. Tu vas adorer. Salut, ma chérie. Regarde. T'as vu? Ça tourne, ça fait plein de lumière et quand on danse, c'est géant. Ça valait le coup d'attendre tout le temps parce que c'est la fête de vos 13 ans. Tout le quartier va en parler. Mes potes sont trop fiers d'être... Alors, on lui dit quoi à son mari chéri? On lui dit, j'ai mieux à proposer. Tenez-vous bien, la mère de mon ami Coco nous prête sa maison pour la fête. C'est pas merveilleux ça? On mettra la machine à mousse ici, les canons à confettis ici, et là, Coco s'occupera de la musique. J'ai tout prévu. Il faudrait juste que tu récupères des lampions pour le stand de Barbe à Papa et la cabane à hot dog. Waouh! On ira les chercher ensemble. Alors déjà, hors de question que Coco s'occupe de la musique. Elle aime que la variété. MC Lunar a promis de venir et va nous mettre du rap. Ouais. En plus, je me suis arrangé avec le patron du resto antillais. Il va nous préparer un super buffet. Bah oui, sauf que manger des acras en écoutant du rap, c'est pas du tout mon idée d'une fête. T'aurais pu me demander mon avis, non? Confidence pour confidence, ton bal populaire en pleine cambrousse avec machine à mousse et hot dog, c'est pas non plus du tout mon truc. Eh oh! Vous allez quand même pas vous disputer à propos de votre anniversaire de rencontre. Alors, on fait quoi pour la fête? Bon, comme on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, et si on allait tout simplement au resto tous les trois? T'as raison. On a besoin de personne d'autre pour fêter notre anniversaire. Quoi? Mais... Tu te rappelles? Si je me rappelle, mademoiselle, puis-je vous inviter à danser? Ça commence à devenir gênant. Oh non, mais je le crois pas. On fait vraiment plus de fêtes? C'est trop nul. Max! Vous faites du sport pour rentrer dans votre nouveau costume, monsieur Barenboim? Non, je travaille juste des postures de yoga pour améliorer mon calme intérieur. Ouais, ben, j'avoue que ça me ferait pas de mal. Un souci, Max? Chacun est tellement sûr d'avoir raison, mais mon père aime le rap, ma mère la variété, du coup c'est la bagarre et... Ces conflits existent aussi dans la musique classique, entre les fans de Wagner et ceux de Verdi, par exemple. Giuseppe Verdi et Richard Wagner sont nés la même année, en 1813. Mais leurs sensibilités et leurs styles sont totalement différents. À tel point qu'ils représentent presque deux idées opposées de la musique et de la vie. Les fans de Wagner jugent Verdi trop léger. Et les fans de Verdi détestent Wagner. Ils trouvent sa musique prétentieuse. Mais alors, qui a raison? Les fans de Wagner ou ceux de Verdi? Question intéressante. Et pour y répondre, j'ai besoin de ton lecteur MP3, Max. Je te mets la chevauchée des Valkyries de Wagner et la marche des trompettes de Verdi. À toi de les écouter et de te faire ton opinion. Ah, d'accord, ça marche. À demain, maestro. Ah, et aussi, travaille un peu cette posture de yoga que je t'ai montrée. Yo, Max! Je me suis dit que si MC Lunar vient à la fête, je pourrais lui montrer mes textes, hein? Il n'y a plus de fête. Mes parents n'arrivaient pas à se mettre d'accord et plutôt que de se prendre la tête pour décider qui a raison, ils ont préféré tout annuler. Mais non, ça se fait pas! Ma première fête de grand! Oh, MC Lunar vient plus alors! C'est pas top pour la fête.
Mais c'est plutôt cool que tes parents n'aient pas envie de s'embrouiller. Ouais, mais maintenant on va se taper un resto pourri à la place de la méga fête. Attends mon pote, j'ai une super idée pour sauver la soirée. Tu leur proposes un jeu et le gagnant organise tout comme il veut. Et comme ça, pas de dispute. Aucun des deux n'aura l'impression de céder. Bac, t'es un génie. Eh ouais. Parce qu'entre le rap, tes lumières, un buffet entillé aux petits oignons et la fête de maman, y a pas photo. C'est vraiment bête d'annuler. Je sais que t'es déçu. Moi aussi, tu sais. Mais je peux quand même pas imposer mes idées à ta mère sous prétexte qu'elles sont meilleures. Qui parle d'imposer? Imagine qu'on organise un jeu pour vous départager et que le gagnant prépare la fête à sa manière. Je l'adorais, moi, ta fête avec canon à confetti et machine à mousse, cabane à hot dog et tout. C'est trop injuste. Je sais, Max. Mais bon, c'est comme ça. Hé, hey, maman, tu sais quoi? J'ai une super idée pour que tu puisses la faire. La partie se dispute en 3 manches et le gagnant organisera la fête comme il veut. C'est loyal. Moi, ça me va. Carrément. Et on n'a qu'à dire que le perdant organisera la prochaine fête. Ouais, bien sûr. Qu'on a tout essayé. Bon, bah, y a plus qu'à tirer à la courte paille. Alors, c'est qui a gagné? Mon père. Yeah! C'est parti pour la meilleure fête de tous les temps! Woohoo! Avec MC Luna! Ouais! Ouais, peut-être, sauf que sans la cabane à hot dog et la machine à mousse de ma mère, j'ai de plus en plus l'impression que ça va être une moitié de fête. Hein? Oh, t'es jamais content, toi! Ah, Max, sais-tu que selon le Tao, le thé est excellent pour la méditation? Je t'attendais avec impatience. J'ai hâte d'entendre ton verdict concernant Wagner et Verdi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je sais pas encore. C'est dur de choisir entre les deux. C'est comme les fêtes de mes parents. Maintenant que l'une a gagné, l'autre me manque. J'avoue que certains choix me paraissent impossibles. Peut-être qu'en travaillant leur œuvre, tu y verras plus clair. Tu trouveras les partitions sur le piano, à moins que tu préfères te joindre à mon yoga. Je crois que je ferais mieux de travailler un peu. Choisir. Max, ça va? Pourquoi tu restes là sans bouger? Oh, Lamia, c'est l'horreur. Maintenant que c'est mon père qui organise la fête, je regrette celle de ma mère. Et en musique, pareil. Le maestro m'a demandé de choisir entre Wagner et Verdi, mais je les adore tous les deux. C'est Monsieur Barenboim qui t'a demandé de choisir? Évidemment. Pourquoi il t'oblige à choisir si tu les aimes tous les deux? C'est bizarre. C'est comme te demander de choisir entre le rap et la musique classique. Bah, en fait... Qui a raison, les fans de Wagner ou ceux de Verdi? À toi de te faire une opinion. J'avoue que certains choix me paraissent impossibles. En vrai, le maestro ne m'a jamais demandé de choisir. C'est moi qui ai cru que... Mais en fait, non. C'est comme la fête de mes parents. Les voilà, les choix impossibles de maestro. Ah, j'ai compris. Parfois, les choses s'additionnent... Au lieu de s'opposer. J'ai une idée. Faut que je fonce. Merci, Lamia. T'es aussi génial que Wagner et Verdi réunis. J'envoie l'invitation pour la fête. À quelle heure je dis d'arriver? Ohé, les parents. Alors, j'adore les boules à facettes et les machines à mousse, les hot dogs et les acras. C'est vrai que je préfère le rap, mais il y a des morceaux de variété que j'adore. Bref, avoir des parents aussi différents, c'est génial. Grâce à vous deux, je connais plein de choses. Alors, ce qui me ferait trop plaisir, ce serait qu'on fasse les deux fêtes en même temps. Oui, mon bonhomme, mais... Je sais, pas évident de mettre du rap chez Coco ou une cabane à hot dog ici. Du coup, j'ai une autre idée. C'est pour moi. Allô? Oui, rebonjour. C'est mon idée. Je vous appelle pour vous confirmer l'autorisation d'organiser votre fête sur le toit de l'immeuble. Merci, madame. À bientôt. Wow, génial. Oh, Max, tu pouvais pas nous faire plus plaisir.
Dire que vous avez failli annuler une fête pleine de hot dogs, de boules à facettes, de rap et de variété. La fête du siècle, quoi. Ça sert à rien de comparer Verdi et Wagner. Leur musique est si différente. Et pour moi, aucun des deux n'est meilleur que l'autre. Alors, on a le droit de les aimer tous les deux, comme ses parents, même s'ils ne sont pas d'accord. Mais oui, la musique n'est pas là pour qu'on se bagarre. Au contraire. Bravo, Max. Tu as tout compris. Pas mal non plus ta posture de l'arbre. Tu pourras t'en servir avant de jouer. Elle est parfaite pour se concentrer. Oh! Je vous parlais, les enfants, c'est celui-là. La fresque peut occuper tout le mur. Pas de problème, Malika. Les ninjas vont ambiancer le quartier avec une peinture de fou. La mairie vous laisse carte blanche pour embellir le mur, pas pour faire n'importe quoi. Ouais, t'inquiète, Malika, on est des pros de la fresque. Nous, les T-Rex. Le secteur des T-Rex, les rois du graphe, et là, les ninjas peuvent barbouiller. Oh ben non, les jeunes, vous n'avez rien compris. Vous devez peindre une seule fresque, ensemble. Ensemble? Mais non, on n'a pas le même style. Ah ouais, Malika, c'est eux ou nous? Mais enfin, ce n'est pas l'esprit du projet. On veut rassembler les habitants, pas les diviser. Hey, et si on faisait voter les gens? On propose chacun un dessin et c'est eux qui décident lequel ils veulent sur le mur. Comme ça, tout le monde donne son avis. Oui, la fresque des ninjas ou les salissures des T-Rex. C'est une bonne idée. Comme ça, tout le monde participerait. Ok, apportez-moi vos projets ce soir. En attendant, j'organise le vote. Mais pourquoi vous ne voulez pas peindre cette fresque avec les T-Rex? Je ne comprends vraiment pas. On est trop différents, maestro. On peut pas se mélanger. Ouais. Hola! Génial! Hasta luego! Max, je vais enfin récupérer un trésor qui est dans ma famille depuis plusieurs générations. Un trésor? Mes grands amis Miguel et Isadora me l'apportent demain. Ce sont des danseurs de tango extraordinaires! De tango? C'est quoi? Une très belle musique argentine et aussi une danse magnifique! Le tango est issu du mélange. Ça tombe bien, je reviens! Changement de programme. Max, aujourd'hui nous allons étudier un tango. España, opus 175, numéro 2 d'Isaac Albéniz. Max, on va peindre un ballon de foot géant. Non, 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 les planètes du système solaire. Moi, je veux faire chanter le mur. Bah oui, en écrivant des notes de musique dessus. Léon,
J'adore ton idée. Oui, on va mettre de la zig sur le béton. Et aussi le cosmos, les étoiles et un gros ballon de foot. On va gagner. Leur truc, on l'a déjà vu 100 fois. Parce qu'un ballon de foot, c'est super original. Venez voter pour avoir une belle fresque dans le quartier. Décorer ce mur horrible. C'est pas facile de choisir, il n'y a rien de bien. Nous, on fait des dessins beaucoup plus jolis. Un papy. C'est vrai, mon chéri. Je le trouve tristounel, numéro 1. Ça manque de couleur. Et puis, on voit déjà des dinosaures tagués de partout dans la ville. Eh, c'est facile de critiquer quand on fait rien. Il a raison. Les enfants, vous savez quoi? Vous allez proposer un projet. Oui! C'est nous, Combat le mur! Vous voulez participer? Je peux très bien rajouter un projet. Non, deux projets. Nous aussi, on veut concourir. Parfait. Je suspends le vote jusqu'à demain matin. Apportez-moi vos projets d'ici là. Faire voter les habitants était une très bonne idée, Max. Merci. Cela permet de mobiliser plus de gens autour de la fresque. Oui, mais maintenant, on n'a plus qu'une chance sur quatre de gagner. Franchement, nos projets sont mille fois mieux. Mais t'inquiète, les T-Rex vont quand même gagner. Dis, madame, c'est notre dessin, les chats, tu votes pour nous? Oh, tout de suite, ma chérie. Oui! Vivez la vie de votre cité. Votez pour l'intelligence et la beauté d'une femme. Numéro 3. Votez pour le numéro 3. Faut se bouger si on veut gagner. La Mia va prévenir les parents de venir voter pour nous. On va booster la com des ninjas vénères. Pardon, Maestro Barenboim. Je pensais à la fresque. Il y a plein de projets maintenant, et pas super. Même le nôtre, il casse pas des briques. Vous auriez dû faire le projet avec les T-Rex. Cela aurait peut-être donné un résultat très joli et original. Je crois pas. On est trop différents avec les T-Rex. Est-ce que tu aimes le tango? À fond, Maestro! En Argentine, il y a 150 ans, vivaient des personnes originaires d'Europe qui jouaient de la mazurka. Mais aussi d'Afrique qui, eux, dansaient sur des rythmes beaucoup plus endiablés. Tous jouaient des musiques qui n'étaient pas du tout pareilles. Leur danse aussi était très différente. Ces musiques et ces danses se sont mélangées et cela a donné le tango. Au fait, vos amis danseurs, ils vous ont apporté le trésor? Je peux le voir. C'est quoi? Des diamants? Des pièces d'or? Une chose encore plus précieuse. Elle appartenait à ma grand-mère russe. Vous êtes russe alors? Pas argentin?
Si, si, je suis bien argentin, mais mes parents sont nés en Russie. Comme le tango, je suis un mélange. Toi aussi, d'ailleurs. Oui, mon père vient des Antilles et ses ancêtres, ils sont nés en Afrique. Ma mère, elle est d'ici, mais ses parents, ils viennent de Bretagne. Tu vois, quand on remonte le temps, on réalise qu'on est tous un mélange de pays, de régions, de cultures très différentes. Et tout ce métissage donne des résultats plutôt réussis, non? Oui, carrément. Et puis, ça nous permet de recevoir des trésors de partout dans le monde, hein? Absolument. Reviens à l'heure du goûter. Ça me laissera le temps de tout préparer pour en profiter au mieux. C'est vraiment bizarre. J'ai compté et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bulletins que de gens qui ont voté. Papy, t'as pas mis assez de petits papiers pour les chats? En plus, vous avez triché. Ah non, j'abandonne. De toute manière, je vais vous dire ce que j'en pense, moi, de vos projets. Ils sont inintéressants. Je vais prévenir la mairie. Il n'y aura pas de fresques. Ah, mais c'est pas non. Hé, attends, Malika. Et si on faisait comme tu voulais au début? Une seule fresque, en mixant tous les projets, ça donnera du jamais vu et... Tu es complètement raté. Pas sûr, il faudrait essayer. D'accord. De toute façon, le mur sera toujours mieux que maintenant. À notre quartier, non? Oui, c'est plein d'originalité, de gaieté, de diversité et d'amitié. Max! On a mixé toutes les idées et ça décoiffe. On a le plus beau mur de toutes les cités. Bravo l'artiste, j'ai hâte de le voir. Et toi regarde, j'ai ouvert ma boîte à trésors. C'est juste une théière, votre trésor? Un samovar, qui permet d'avoir du thé bien chaud tout le temps. Quand je l'utilise, j'ai l'impression de prendre le thé en Russie avec ma grand-mère. Je te sers une tasse. Oui, je vais à mon cours de danse. On se voit demain, hein? Ben, oui, demain aussi. Bien obligé, il y a école. À demain alors. Eh, hey, c'est pas du rugby. Mais qu'est-ce qu'elle a?
Elle a que demain, c'est son anniversaire. Quoi ? J'avais complètement zappé. Moi, pareil. Oh là là. Léon, tu y as pensé, tu m'épates. Bah, elle l'a dit il y a une semaine, je m'en suis souvenue, c'est tout. Je lui ai acheté un livre, elle adore ça. Oh, mais qu'est-ce que je vais lui offrir ? Moi, je crois bien que j'ai une petite idée cadeau qui va faire un carton. Mais je te le dis pas, sinon tu vas me la piquer. Oh, la galère. Faut que je trouve quelque chose. Bon, à plus. Eh, c'est pas du rugby, hein ? Salut, mon fils. Salut, papa. Dis donc, t'en fais une tête, t'as embêté à l'école ? Non, t'inquiète. C'est juste que j'ai aucune idée pour la nif de la mienne. Ah, ça va. Je croyais que c'était grave. Tu verras. Salut. Dans mes bras, l'amour est roi. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Didier, t'exagères. Ça va, Max ? Bah, tu sais, te casse pas trop la tête pour l'anniversaire de la mia. Des chocolats, ça fait toujours plaisir. Comment ça, te casse pas la tête ? C'est pas important, un cadeau d'anniversaire ? Si, mais bon, tu vois, ça recommence tous les ans, c'est compliqué. C'est compliqué de penser aux autres ? C'est pas ça, mais... Je vous laisse, je vais chez... Enfin, j'y vais, quoi. Des chocolats, franchement. Je suis invité à donner un concert au carnaval de Rio. Il faut juste que je me trouve un masque. Il est pas mal, hein? Tenez, je crois que c'est pour vous. Vous l'ouvrez pas? Plus tard, nous avons du travail. C'est la sonate pour piano et clarinette de Camille Saint-Saëns. Tu rencontreras le jeune clarinettiste demain. Commence ta partie, la clarinette débutera à partir de là. C'est un peu étrange sans la partie clarinette. Je comprends, mais l'important est que tu te concentres sur ta partie là-bas. Si tu la travailles bien, tu seras tout à fait à la hauteur la prochaine fois. Et celui-ci, il est pas mal, non ? Toi, tu reviens de chez Monsieur Barenboim, tu as les yeux qui brillent. Oui, le morceau d'aujourd'hui était super dur et je dois assurer pour le prochain cours demain. J'ai un duo avec un clarinettiste. Waouh, c'est super ça, tu me raconteras ? Bon, disons qu'on se voit demain, alors. Oh, demain ? L'anniversaire ? Oh, mais oui, je sais ! Oui, pour son anniversaire, je crois que ça lui ferait plaisir de venir écouter le duo. Excellente idée, Max. Merci, maestro. L'astrologie de A à Z ? Votre avenir dans les astres ? c'est super ! Merci, Léon. Mais moi, c'est plutôt l'astronomie. Mais vraiment, merci. Bac ? Un ballon de rugby ? Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Je te donnerai des cours. T'avais l'air motivée hier. Merci pour ton cadeau. Tiens, Lamia, moi j'ai un cadeau top secret pour toi. Waouh, super ! Merci pour ta carte top secrète. je dois y aller. Salut les gars. Elle avait pas trop l'air de kiffer l'astrologie de A à Z. Tu t'es planté. L'astrologie, c'est pas l'astronomie. Mais toi, le coup du ballon de rugby, y a pas plus naze comme cadeau. Ouais. Et toi, y a quoi dans ta carte top secrète? Oh. Je vous conduis à votre place, mademoiselle Lamia. Bonjour, monsieur Barenboim. Bon, cette place vous sira-t-elle, mademoiselle ? Merci. Vous êtes prêts ? À vous. Bravo à vous deux, vous avez très bien joué. Bon anniversaire, mademoiselle. C'est bon, merci Max, c'était super. Lucas, tu reviendras la semaine prochaine. La performance sera filmée pour que ton professeur puisse la voir. Lamia, pourrais-tu me laisser seule avec Max un instant ? Venez, je vous raccompagne. Au revoir, Max. Au revoir. Je t'attends dehors, Max.
Au revoir et merci beaucoup, monsieur Barenboim. Au revoir, Lamia. Au revoir, Lucas. Au revoir, maestro Barenboim. Bon, alors, Max, qu'est-ce qui n'allait pas? Je me suis sentie invisible. On n'entendait que Lucas et sa clarinette. C'est vrai que c'est un morceau qui met en avant la clarinette. Je m'en suis bien rendu compte. La partie piano n'en reste pas moins belle et très difficile. Max, tu dois apprendre à être au service d'un autre instrument. À d'autres moments, ce sera l'inverse. À chaque fois, ton rôle sera différent. Un rôle différent? C'est dur. Pas tant que ça. Alors, lequel je choisis? J'en sais rien, maestro. Au revoir. Le morceau était vraiment beau, surtout la clarinette. Enfin, non, la clarinette, c'est beau aussi. Je connaissais pas et... T'as préféré la clarinette? Et la partie du piano, tu l'as pas aimée? Si, si, bien sûr, mais la clarinette m'a beaucoup plu. Tu te rends pas compte, c'est super difficile. T'es gonflée de me dire ça. Mais c'est toi qui es un peu gonflé, j'ai bien le droit d'avoir aimé la clarinette quand même. C'est pas ça, mais lui, il a rien fait pour toi. C'est moi qui t'ai invité. Ok, alors en fait, tu m'as invité surtout pour que je t'admire. Mais non, mais écoute... Oh, et puis mince, c'est ton anniversaire ou c'est le mien? Oh, et moi qui étais si contente. La mienne. J'ai tout gâché. Elle était si contente de son cadeau. Ah, faire un cadeau est un art difficile. Tiens, des pâtes de fruits. Je sais que tu aimes ça. Ah oui, j'adore ça. Merci, maestro Barenboim. Vous n'en prenez pas? Non, je n'aime pas ça. C'est un cadeau d'admirateur. Ça me fait plaisir, même si je n'aime pas toujours ce qu'on m'offre. C'est normal. Ils ne me connaissent pas personnellement. En tout cas, merci, monsieur l'admirateur. Moi, j'adore ça. Ça vous dérange pas que je me régale? Mais pas du tout, au contraire. Tu fais plaisir à voir. Et voir les autres heureux, c'est bien agréable. Au fait, je crois que je vais prendre celui-là. Et tu vois, l'amour est roi. Dansons sur un air de nous deux. Rêvons à quatre yeux. Papa, qu'est-ce que t'as? T'es malade ou quoi? Non, je répète un morceau pour me faire pardonner de l'autre fois. Tu sais, le coup de l'anniversaire de Lamia et les chocolats qui font toujours plaisir. J'ai pas assuré, on s'est fâché avec ta mère. Mais papa, c'est de la variété. J'ai remarqué, mais ta mère, c'est ce qu'elle aime. Et je vais même le lui chanter dans un karaoké. Bon, tu me fais répéter les paroles. C'est pas trop ton genre non plus, mais... Ça fera plaisir à maman. Et tu verras que dans mes bras, l'amour est roi. Hey, salut Léon, tu sais, on s'est tous plantés pour le cadeau de Lamia. Ouais, mon dessin, elle l'a pas trouvé bien non plus. Mais j'ai une idée pour qu'on se rattrape. Alors voilà, on aurait besoin de colle, de scotch, de fil de fer, de carton, de... Si tu as un petit peu de peinture ou des feutres même, ça peut être... Lamia, tu viens? On a juste le temps avant le collège de passer par le parc Lénine. On a fabriqué quelque chose... Pour toi! Pour moi? Lamia, toi, notre astre, tu brilles au firmament de notre amitié. Ton rire est comme un matin d'été. Toi, l'astre, et nous, les satellites. Merci, les gars, c'est super! Il est beau, ce mobile! Bon, il est grand, il prendra beaucoup de place dans ma chambre. Et Pluton est moins gros qu'Uranus et en fait plus près de la Terre que du Soleil, mais c'est vraiment... Oh, c'est génial! J'adore! Merci beaucoup! Vous êtes prêts, les enfants? C'est à vous!